pour nous faire travail, pour que nous véhiculer connaissance pour nous aider frères à ceux nous qui en a pays. Nous allons mettre sous pied un ensemble de salles multimédia côté n'a utilisé technologie pour qui permettre spécialistes nous gain dans éducation, dans économie, dans science, dans technologie, si yo pas ka déplacer et déplacement kon pas facile pour yo, et bien à partir de technologie a n'a permettre dans salle multimédia pour cours yo fait. Et chaque fin d'année, n'a toujours gagné une ou deux ou trois dans spécialistes volontairement qui viennent accompagner nous en Haïti. Même gens depuis 4 ans, nous avons professeur Yvon Lamou chaque juillet qui descend en Dabéa. Donc, déjà dans l'Institut provincial, sous Grand Ouya, dans 49 Ouya Toussaint Louverture, nous déjà qui installé une salle multimédia. Nous avons le travail pour nous installer une dans l'école Saint-Pierre Clavet. Nous avons travaillé tout pour nous du côté de l'Estéa. Dans le cas de l'Estéa, pour nous mettre en salle multimédia. Saint-Marc, Yon, Henry, Deschapelles. De telle sorte, pour faciliter professionnels qui ont dehors, à travers la technologie, pour échange connaissances là, transfert de knowledge là, échange d'expérience fait. Donc, Institut provincial, quoi, année 2023, nous avancer. N'a pas avancé dans travail que n'a fait depuis plus de 5 ans. Nous faisons avec propre moyen. Nous faisons avec support que zanmi ba nous qui peut être volontaire pour n'a fait causerie, conférence, n'a fait formation. Nous quoi travail en pile, ça que n'a pas de support. Tout l'autre monde qui d'ailleurs qui sont spécialistes dans différents domaines qui voulaient entrer dans la bataille que l'a fait pour nous porter lumière à travers connaissance, à travers expérience, n'a pas de support. N'a pas de support tout en termes financiers si il y a des monde qui voulait supporter nous, parce que depuis 5 ans c'est avec nos propres moyens économie nous support quelques volontaires bail qui permettent d'avancer. Nous croyons dans l'engagement que nous engageons, pays à pas arrêter côté lié. Nous croyons nous devons prendre responsabilité nous en tant que citoyen pays, en tant que petit pays, qui tout en dans pays, qui tout dehors pays. Il faut que nous prenions responsabilité nous parce que Haïti pas arrêter comme ça. Et nous voulons participer. Et c'est nous déjà participer et ceci depuis plus de 6 ans. Dans la question, mettez sous pied Institut provincial pour créer liaison, pour créer pont. Et en matière de téléradio provincial, on l'autre outil nous gagne encore pour que nous touchions plus de monde à travers nos émissions. Tant que Carrefour Changement, Haïti Horizon 2054, en nous mettez de voix nous au propre, tout ensemble d'émission, côté chaque semaine, nous inviter différents mondes, selon spécialisation, selon sujet, nous traité à, pour venir partager à public là, sur Radio Provincial 95.3 MHz. Nous avons une page tout sur YouTube, c'est page téléprovincial. Côté chaque semaine, il y a des documentaires, des analyses politiques et économiques qui font. Maintenant, nous avons une deuxième page là, c'est page Institut Provincial, qui est uniquement consacré à affaires éducation, connaissance sous la science, sous communication, sous économie, différents sujets qui apportent plus de lumière pour le groupe Moun Kandabeya. Merci
pour votre attention. Nous dit porte là, li largement ouvert pour venir participer avec nous parce que nous bay tout moun rendez-vous dans Carrefour changement parce que pays a vle pas vle li pas arrêter comme ça. On l'autre Haïti possible. Mais c'est avec participation, nous, avec engagement, nous, avec responsabilité nous, en tant que citoyen pays. Nom, c'est Renal Orival, directeur Institut Provincial, Téléradio Provincial et coordonnateur Initiative Citoyen Latibonite pour Changement. Merci.